Wesh les gars, c'est M5, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les gars, j'ai simplement utilisé des skins modés pour troll des youtubeurs sur Fortnite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, vous allez voir, il y a vraiment des réactions incroyables. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des skins modés, en gros c'est des skins d'apparence modifiée. Grâce à ces skins modés, j'ai simplement troll des youtubeurs et mes potes sur Fortnite. Avant que la vidéo commence les gars, on va simplement faire un truc. Toutes les personnes qui ont envie de jouer avec moi sur Fortnite, vous allez mettre votre pseudo dans les commentaires et j'essaierai de jouer avec vous dans les prochains jours. N'hésitez pas aussi à mettre mon code créateur dans la boutique les gars, on est bientôt au 100 soutiens dans la boutique. Donc merci à toutes les personnes qui mettent mon code créateur, ça me soutient vraiment énormément. Bref les gars, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Ok, donc avant de pouvoir troll avec un skin modé, il faut simplement avoir un skin modé. Donc là je suis tout simplement en train de regarder la vidéo d'un gars qui explique comment avoir un skin modé. Donc en gros les gars, avant de pouvoir troll, je vais devoir télécharger un logiciel qui va me permettre tout simplement d'avoir des skins modés. Bah comme vous pouvez voir à l'écran, il y a plein de skins, franchement il y a des skins qui sont jamais sortis dans la boutique. Il y a des skins Galaxy, il y a des skins, franchement il y a vraiment plein de skins modés les gars. Ok, donc là du coup les gars, je vais devoir rejoindre un serveur Discord. Donc je vais tout simplement rejoindre le serveur Discord. Ok, donc je viens de rejoindre le serveur Discord, donc voilà, ça doit être dans ce salon là. Du coup je vais cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger du coup le fichier. Et donc du coup là, ce que je vais faire c'est que je vais télécharger le fichier et on va se retrouver directement quand j'aurai installé le fichier. Ok les gars, donc le fichier il est juste là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement lancer le fichier. Et donc là comme vous pouvez voir du coup il y a l'application juste ici, je vais cliquer dessus. Et là du coup c'est censé m'ouvrir, donc là ça m'ouvre des pages. Donc là regardez, comme vous pouvez voir on a tous les skins qui sont là, donc on a tous les skins modés. On va pouvoir utiliser tous ces skins là. Donc on va choisir, on peut même se transformer en poule, en dinosaure etc. Donc voilà, on peut même se mettre en lama carrément, c'est vraiment un truc de malade. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement choisir un skin modé. Et du coup je vais pouvoir troll mes potes etc. On va prendre du coup la goule rose en forme de renegade, voilà on va prendre ce skin là. Et du coup là je pense qu'il va falloir cliquer sur convert. Donc là on va cliquer sur convert, là du coup c'est en train de convertir mon skin avec le skin du coup rubis noir. Donc, en gros rubis noir, quand on va lancer le jeu les gars, rubis noir ça sera plus rubis noir, ça sera du coup le skin qu'on est en train de convertir. Donc là du coup les gars mon skin il a été converti. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer du coup cette page, on va aller ici dans settings et on va tout simplement lancer le jeu. Donc voilà hop, là c'est en train normalement de nous lancer le jeu. Ok nickel, du coup comme vous pouvez voir c'est en train de nous lancer le jeu directement. Et du coup let's go les gars, on va aller directement dans casier et on va tout simplement voir si le skin y a été changé. Ok, donc là normalement le skin c'est celui là voilà, donc là normalement si on clique sur le skin rubis noir, normalement le skin ce n'est plus rubis noir. Hop, et du coup ok, directement le skin il a été changé les gars. Ouais c'est incroyable, regardez le skin les gars, il est trop stylé. Ok, du coup rubis noir, du coup c'est plus rubis noir, c'est la goule rose en forme de renegade. C'est vraiment incroyable les gars, regardez juste ce skin, il est tellement stylé. Ok, du coup bah directement on va regarder. Ouah les gars c'est un truc de malade, regardez le skin il est juste là, c'est un truc de malade. Regardez si on va dans le casier et tout, le skin il a vraiment été changé, c'est vraiment un truc de malade. On va pouvoir troll avec ce skin du coup. Je vais directement inviter un pote à moi et on va tout simplement le troll avec. Ok, du coup les gars on est directement parti, on va tout simplement rejoindre le groupe d'un pote à moi et je vais tout simplement le troll avec. Regardez juste le skin, il est beaucoup trop stylé les gars, regarde. Du coup let's go, on va tout simplement rejoindre son groupe les gars. Allo? Allo, ça va? Ça va et toi? Ouais nickel hein. Vas-y quitte ta partie là, reviens au salon. J'arrive. Pourquoi, y'a quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te montrer un truc mec, c'est trop stylé. Regarde mon skin. Vas-y, attends. Tu vois mon skin là? Ouais, bah rubis noir quoi. Enfin, ah tu vois rubis noir là? Ouais. Ah ouais, mec j'ai trop le seum. Mec j'ai trouvé un truc pour modder mes skins, gros c'est un truc de malade. Genre, mais ah j'ai trop le seum que tu vois pas le skin. Mec c'est trop stylé, vas-y viens on va en créatif pour voir si tu vois le skin ou pas. What the fuck, la dinguerie mec. Mais mec je te jure le skin il est trop stylé. Attendez les gars, je vais rentrer dans mon île pour voir si on fait du solo build avec. Genre ça marche vraiment mais genre toi tu vois pas le skin. En game ça marche du coup vu qu'en créatif. En game ouais ça marche gros. Ok donc là du coup directement les gars on se retrouve avec Solar. Donc du coup Solar ce que tu vas devoir faire c'est que je vais t'envoyer un lien sur Discord. Et tu vas devoir télécharger du coup le lien que je vais t'envoyer. En gros tu vas pouvoir avoir les skins changés comme moi. Et moi du coup je vais pouvoir te voir avec les skins changés. Et toi tu vas pouvoir aussi me voir avec les skins changés. Tout simplement directement faire télécharger ça à Solar. Et on se retrouve directement après. Solar il aura directement téléchargé le fichier. Ok du coup c'est bon les gars, Solar il a pu directement installer le même site que moi. Du coup là Solar comme tu peux voir il y a les skins. Voilà et là tu peux voir tous les skins qu'il y a. Donc il y a vraiment un maximum de skins modés. Donc comme vous pouvez voir les gars il a le même interface que moi. Donc voilà, donc là il y a tous les skins modés. Et là ce que tu vas pouvoir faire Solar, tu prends le skin rose Renegade rose là tout en haut. Et là tu vas pouvoir directement cliquer sur convert. Bah là du coup ton skin il est en train d'être converti. Donc voilà directement les gars moi c'est ce que je vais faire aussi. Et en gros Solar il va pouvoir avoir le même skin que moi. Donc en gros moi je vais pouvoir voir Solar avec le skin modé. Et Solar du coup va pouvoir me voir avec le skin modé aussi. Là ce que tu peux faire c'est que tu peux fermer la page Solar. Voilà. Et là ouais, tu peux prendre un skin de ton choix du coup maintenant. Voilà tu prends un animal. Vas-y go prendre la grenouille là. Fais converte. Voilà c'est carré. Voilà là directement ce que tu vas pouvoir faire Solar c'est que tu peux fermer. Et tu vas aller directement dans settings. Voilà et tu fais start Fortnite. Et du coup tu attends. Là tu touches à rien.
et tu vas attendre que ton jeu il se lance. Donc moi directement ce que je vais faire les gars, c'est que je vais faire la même chose que Solar. Voilà, donc là regardez juste mon écran, il est juste là. Donc je vais aller dans skin et je vais faire exactement la même chose que Solar. Donc je vais cliquer du coup sur le skin violet, je vais faire convert. Donc là c'est en train de convertir mon skin les gars. Voilà, c'est bon, ça me l'a converti. Et là du coup je vais aller directement dans la grenouille. Voilà, hop, on va cliquer sur convert skin. Donc là je vais faire comme Solar, je vais aller dans settings et je vais cliquer sur start Fortnite. Ok. Donc là du coup les gars on se retrouve directement dans le jeu. Donc là je vais inviter Solar et normalement je vais... Là normalement les gars dès que Solar il rejoint mon groupe, on va pouvoir se voir tous les deux avec le même skin. Ok, je t'invite mec, je t'invite. Oh là là. Oh là là mec, j'ai trop envie de voir ça, est-ce que je te vois? Ah, oh je te vois mec, je te vois avec le skin. C'est incroyable mec. Vas-y go, mets le skin grenouille. Vas-y bah du coup, les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une game. Et voilà directement hop, moi je vais mettre ce skin là. Et toi tu peux garder le skin grenouille. Vas-y on lance directement une game les gars, on va voir ce que ça donne. Regarde sa tête à la grenouille là, regarde sa tête. Mec alors elle te regarde tellement mal la grenouille. Vas-y go, on se fait un bull fight. On fait un bull fight avec le skin grenouille. Si je te bats avec une grenouille. Si tu me bats avec une grenouille, t'es vraiment. Gros, si on se fait pas dans créatif, c'est bon. Ah, si on se fait pas dans créatif, mec, je pète un câble. Ah, je te vois en grenouille, mec. Regarde quand je descends les escaliers, Fiston, regarde. Vas-y, vas-y. Ah c'est trop drôle mec. Ah, je te vois en skin grenouille, gros, c'est un truc de malade. Mais toi, t'arriveras pas. Quoi? Quoi? Ça nous a fait bad encore. Non, non mais gros c'est pas possible. Non mais je crois on peut pas jouer avec. Ouais je crois on peut vraiment pas jouer avec les gars. Oh j'ai trop le seum. J'ai trop le seum.